m'appelle Leroy Nuguin, j'ai 21 ans. J'ai fait un bac professionnel agroéquipement pour être conducteur d'engins agricoles. J'ai travaillé dans ma famille durant l'année 2020, dû au contexte compliqué, dû au Covid. Et en début d'année, je me suis posé la question de faire un service civique. Je fais mon service civique à l'association Taco et Turbo de Strédel qui se situe à Étrel. L'association a un projet bien spécifique. C'est la fusion de deux associations, En route pour Léo, donc à Étrel, et Taco et Turbo de Strédel, qui donnent le projet TTS en Ariane pour Léo Enco. Le projet, c'est de rénover une voiture ancienne, une Simca Ariane de 1961. Cette voiture, elle sera ensuite mise en jeu via une loterie. Le vainqueur de cette loterie deviendra propriétaire de cette voiture. Les sommes récoltées via cette loterie seront reversées intégralement à la FM Téléthon. Dans l'association, donc, il y a 30 bénévoles divisés en 4 équipes. L'équipe communication, Célérie, mécanique et carrosserie. Il y a en tout 30 bénévoles qui soutiennent le projet et plus de 25 partenaires aussi commerciaux qui sont derrière nous pour soutenir le projet. Je m'occupe de tout ce qui est aspect communication au niveau des réseaux sociaux, de trouver des partenaires. Je m'occupe aussi de tout ce qui est carrosserie, mécanique, que je donne un coup de main sur le domaine un peu plus technique. Toutes les tâches minutieuses telles que l'envoi des mails. Grâce à Virginie Truel, donc de la mission locale, j'ai choisi de faire ce service civique-là. J'ai une petite sœur de 16 ans, tout comme Léo, qui a une maladie génétique rare. Ce choix a été mûrement réfléchi, c'est le choix du cœur. Voilà. Le service civique en 3 mots, nouveau départ, rencontre et aventure. Voir que le projet avance, communiquer autour du projet. La musique, le sport, j'aime beaucoup la course à pied, le foot. Faut pas hésiter à se lancer, je pense que c'est une question de déclic. Faut croire en soi aussi, il faut pas hésiter à tenter des expériences. Que le projet aboutisse et aille au bout. N'hésitez pas à participer à la loterie.